soki toso sana manso maleka totala liboso tango ekoki tosi manana mamoko toto mola ekolo kongo e kongo e mana ya kongo tosana polani kongo e kongo Congo, yetu, Congo, Congo, na beto, Congo, Congo, wetu. Eh bien, notre Congo, c'est désormais le refrain de tout le Congolais, du moins ceux qui se disent patriotes. Mm. Et sur ce plateau, je commence déjà avec Michael Mbaye, qui déjà a créé ce concept Congo. Pourquoi, justement, maintenant, c'est en rapport avec les élections, avec la passation civilisée du pouvoir? C'est quoi, justement, cette conception? Aujourd'hui, on voit les artistes musiciens, plus de la chronique chrétienne, parler de l'unité du Congo. Merci beaucoup, Madame Arlette. Déjà, nous savons tous les téléspectateurs que nous suivons en ce moment. C'est vrai que l'idée pouvait partir d'une personne, voilà, dans le sens d'initier quelque chose, mais sincèrement, nous l'avons concrétisé pratiquement ensemble avec toutes ces grandes figures du gospel congolais. On doit se le dire que là, ce matin, sur ce plateau, c'est un échantillon. Il y a plusieurs autres personnes qui ne sont pas ici sur place avec nous. L'unité du Congo, pourquoi? Tout simplement, c'est parti d'un constat. C'est vrai, on parle d'une passation pacifique du pouvoir. Pour la première fois, les Congolais, d'ailleurs, ensemble, ont assisté à quelque chose d'inédit, quelque chose de fort, voir finalement un président sortant, serrer la main à un autre entrant. Quelque chose de très belle, une très belle expérience qui a d'ailleurs, le jour, donné pratiquement la leçon à presque toutes les nations qui nous entourent, particulièrement en Afrique. Mais il y a quelques notes, à mon avis, un peu négative, c'est que on a pu faire ensemble avec mes amis un constat, c'est que cette histoire a pu ramener encore davantage, remuer les choses, c'est-à-dire là je parle du tribalisme qui a vraiment fait face mais à une allure vraiment pas souhaitable, et voilà d'où partira finalement cette idée de pouvoir, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'église, en tant que chrétiens, nous réunir autour d'un concept, Congo uni. On parle de l'unité, on appelle les Congolais dans leur ensemble à l'unité, à la concorde, à la cohésion nationale. L'unité d'ailleurs qui s'est manifestée dans ce clip de pratiquement 10 minutes, voilà. On dira comme ça, avec la crème du gospel chrétien, du gospel en tout cas, en RDC. On a pu sincèrement avoir pratiquement 90% même de vraiment de grandes figures du gospel. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas pu être là, qui ont manifesté quelques indisponibilités. Il y en avait d'autres qui étaient en déplacement. On n'a pas pu avoir tout le monde. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas aussi non plus avoir tout le monde autour de ce projet. Mais quand même, là, on a pu représenter l'ensemble des musiciens chrétiens. Voilà ce qu'on n'a pas pu. On a pu faire par la grâce de Dieu. Je crois que ça a l'approbation de tout le monde. Tout à l'heure, vous avez aimé aussi. Donc, on s'est dit, on est dans le bon. Alors, cet échantillonnage, ici sur ce plateau, nous avons Mike Alambaye, nous avons Mike Flore, voilà. Nous avons Yannick Toumba, Gisèle Moussadi, Bailo Mouila, Didier Moulumba. Eh bien, nous avons également notre frère Michel Bakenda, qui d'ailleurs n'est plus à présenter dans ce monde des artistes, du gospel en tout cas. Est-ce que ça a été facile aujourd'hui de voir, on le sait, hein, les artistes sont un tout petit peu capricieux, de se retrouver comme ça, de se réunir et finalement de faire front commun pour démontrer cette unité du Congo? Bon, j'aimerais me mettre à la place de papa Mike parce que c'est en fait lui qui nous a presque tous réunis. Mmh. Alors je dis que ça n'a pas été facile. Je pense que moi-même déjà, je pense que la première fois qu'il m'a appelé, c'est parce que je suis venu la première fois directement. Ou peut-être les jours suivants. Voilà. Là, c'est ce qui me concerne. Alors, pour les autres, je pense même que c'est... En tout cas, ça n'a pas été facile, mais bon, Dieu a fait grâce qu'on a pu atteindre quand même les gens qui ont été ciblés. C'est le plus important. Mike Flore, aujourd'hui, ce concept, hein, parce que tout permettre un peu, Bakongole Bayoka, Bakongole Nyos, tout Banakin, partout ils sont, certainement qu'il y a d'autres qui pourront faire le déplacement. Pourquoi pas les gens du Congo-Brazzaville? Parce qu'il n'y a que la rivière, le fleuve Congo qui nous sépare ici, c'est quelques minutes. Aujourd'hui, c'est Obito Lobé, la unité à Congo. Il y a également ce concept, le concert qui va justement matérialiser unité Wanaya Congo.
Alors, ça va se passer comment? Je pense que je vais d'abord dire merci à Dieu. Oui. Et surtout remercier les acteurs. Oui. Parce que Dieu ne donne pas une vision à 5 personnes. Tu vois? À 2 personnes. Il y a toujours une seule personne qui reçoit la vision. Et Dieu met à ses côtés les accompagnateurs de la vision. Mm-hmm. Alors, ces accompagnateurs doivent aussi comprendre cette vision-là pour marcher selon, selon la compréhension de celui qui a reçu la vision. C'est pour dire que tu ne peux pas te mêler dans une histoire si tu ne sens pas la charge que les visionnaires sentent. C'est-à-dire que tu dois d'abord sentir ce que le visionnaire sent pour que tu puisses travailler à ses côtés, mm-hmm. pour que tu puisses t'impliquer dans la chose. Raison pour laquelle tu as vu, nous étions parfois loin. Il y a des gens qui n'étaient pas parfois disponibles, mm-hmm. mais lorsqu'ils ont senti la charge, lorsque les visionnaires ont partagé les sentiments qu'il avait avec les autres, ils ont compris que non, c'est sérieux. Qui a réagi c'est dans sérieux. De nous, alors, lorsque nous avons compris que les choses sont tellement... lorsque nous avons compris que c'est sérieux, on s'est donné à concrétiser vraiment cette vision et ce projet surtout. Je pense que nous serons là dimanche dans ce grand concert qui va réunir tous les enfants de Dieu, tous les musiciens, tous les Congolais. C'est pour célébrer le Seigneur, pour l'unité. Parce que là où il y a l'unité, il y a la force. Didier Moulumba, ça vous a choqué, Didier Moulumba, ça vous a choqué de voir ce côté remué du Congolais, c'est-à-dire juste après les élections, ce sentiment en tant que chrétien, parce qu'on se dit il y a beaucoup de chrétiens en RDC, et voir cette façon de réagir avec beaucoup de haine par rapport soit à une tribu, par rapport à soit à des individus en tant que chrétien, ça vous a réellement choqué? Ça ne m'a pas choqué du tout. Oui. En fait, au contraire, ça m'a beaucoup plu de voir ce qui s'est passé dans notre pays, parce que la majorité, beaucoup de gens croyaient que cette histoire n'allait pas aboutir. Oui, donc, vous comprenez. Oui, oui. Donc, c'est pour cela que nous glorifions l'Éternel pour ce qui est arrivé, et ce qui va encore se passer bientôt, et nous disons merci à l'initiateur. Si nous sommes déplacés de Lubumbashi jusqu'ici, c'est... Oh, vous venez de Lubumbashi. Ah, voilà, on a envie de le faire. Voilà, hein. Oui. Ça, justement. Donc, c'est il y a par rapport... plusieurs qui viendront aussi de plusieurs autres provinces. Mm-hmm. Déjà, il y a un qui représente le Katanga, il est là. Ah. À part lui, il y a également notre jeune frère Donamboza qui a joué un rôle important également. Mm-hmm. C'est par rapport à l'amour de notre cher beau pays. Je pense que le moment est arrivé où nous devons nous connaître tout d'abord. Comme Socrate a dit, connais-toi toi-même. Parce que si nous connaissons, nous allons faire beaucoup de choses. Vous savez, on a passé des moments très difficiles, nous Congolais. Or que la congolité, pour moi, je l'ai toujours dit, pour moi la congolité, c'est pas une appartenance, mais c'est plutôt, et c'est pas, qu'est-ce que je peux dire, c'est pas une affiliation, mais plutôt une appartenance. Donc nous devons nous mettre ensemble pour faire quelque chose de bien, parce que l'union fait la force. Donc à l'époque, on nous disait que les Sud-Africains venaient de l'autre côté pour venir se faire soigner ici. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est nous qui quittons le pays pour aller se faire soigner ailleurs. Or que nous avons tous les atouts majeurs de faire ces histoires ici, chez nous. Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'amour. On n'est pas ensemble. La division, c'est ce qui fait enfin que nous puissions être éparpillés pour commencer et continuer toujours à souffrir. Si nous sommes ensemble, nous faisons... Donc, si on est ensemble, on va encore faire enfin de sorte que nous, notre pays puisse aller encore de l'avant. C'est pour cela que nous sommes là, unis. Je ne regrette pas, il n'y a pas de hasard. Je ne regrette pas. Mais je regrette. Belgique. Donc c'est un peu ça, maman. Donc nous aimons notre pays. Parce que si vous aimez, je ne pense pas que vous n'allez pas avoir des idées contraires à ce que vous êtes en train de mettre, à ce que vous voyez. Donc c'est un peu ça. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais quand même poser la question à la dame, Gisèle Moussadi, qui est d'ailleurs la seule dame parmi les invités. Non, elle va, ok, déjà, elle est déjà là. Je pensais que vous qu'elle est là. Voilà. Alors, moi je me dis aujourd'hui, c'est la femme de foi qui se retrouve au milieu. Parce que quand on parle par exemple de tribalisme, c'est cette femme par exemple, Mouswahili, qui s'est mariée à un Mungala, ou à un Mukongo, ou à un Mouluba, qui a des enfants au milieu. Alors,
comment avez-vous senti, ressenti cela avec ce côté femme? Quand on parlait de tribalisme, justement. Ça fait très mal. Je vais peut-être parler à Lingala pour faire comprendre les autres mamans qui sont... D'abord, avant d'être maman, nous sommes d'abord congolais. Mm. Donc, il faut biso tout mais ma charge wana de quoi maman pour na ko tambola partout pour na ko expliquer na bato ndenge nini bakoko linga mboka parce que nga naza maman na puti bana bana na nga ya basi to ya mibali na ko vanda wana te pona bisa bango lo ko nga naza ekolo boye ye mibali to mwasi wa kuya il faut za ekolo boye non na osala ngote. Pourquoi? Parce que il faut battre tout sangana. Je me rappelle à l'époque, il y a papa Nabiso Mobutu. Azara na slogan moko azara koloba. Papa bo moko et kolobo. Donc c'était pour rassembler tout un peuple. Va me sentir que baza peuple moko. Donc il faut abonner la famille. Donc biso ba maman. Parce qu'il faut tout bandana. Et le coin est bandana katandak. Donc, au moins, maman, l'ingé les balles, mais papa a boi. Parce que moi, on a coquin n'est pas battu la tête. Vous voyez un peu. Oui, oui. Et aujourd'hui, message essentiel, l'inéco, ça là. Ça. Hein, déco. Oh, elle accepte ce que tu as d'un honorable. Ah, ouais. 5 ans, c'est peu, hein, donc. Message nini bolingo transmettre na ba congolais aujourd'hui à travers élan obozui, il y a rassemblement, il y a Congo uni. Message essentiel les anini. Message essentiel les âmes moko. Nous ne sommes qu'un seul peuple. Peu importe nos tribus, na ingikutu, na tiré en le plus na un autre honorable qui a chanté dans la chanson, l'honorable Paul Balenza. Alobi, il a parlé d'ailleurs mieux que tous selon là. Abingai komolu banabala moi c'est abandonné. Si vous banat aussi c'est ça en fait l'essence. Le plus important c'est que Azala ya abandonné, Azala ya Kasai, Azala ya Goma, Azala congolais. C'est ça notre problème. Notre problème c'est que nous sommes tous congolais, nous ne sommes qu'un seul peuple. C'est ça notre message en fait. Le message clé en Rwanda. Aujourd'hui, maman lui dit. Nous devons considérer aujourd'hui, on parle de plus de 400 tribus en RDC. Devons-nous considérer cela comme une richesse? Parce que tellement tout le monde, tout ça, tellement est belé que mon sujet, surtout on va se retrouver, et on finit, on se divise. Tout comme on est dans la tour de Babel, alors qu'en principe, ça devait constituer une force pour nous. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Ce que je peux dire, tout ça, peuple encore, comme le frère vient de le dire, tout ça, ma tribu est belle. Je suis allée en Europe, dans mon raté, que nous, français, on est français. Tu verras, où est-ce que tu as telle place, nous sommes des français. Il n'y a pas de. Nous, ce qui est au Cap, ce qui n'est pour nous, c'est la richesse. Mais tout ça, bisounions sont congolais, tout ce qui est congolais. Il n'y a pas de choses au Kabola ou un tel Moulouba ou un tel Mokongo. Pour Nanga, ça n'existe pas. Nous sommes un peuple uni, tout ce qui est à Moko. En tout cas, je crois que j'ai fait. Voilà. Je me demandais, est-ce qu'elle est Moko Yannick? Yannick, j'ai déjà posé la question. Je crois que tu as sur ta plateau, non, quand on va comment. Alors, Vailo, je me pose la question concert au Salimande. Parce que c'est vrai, on doit se retrouver dimanche. Pour parler unité, parler Congo, alors qu'on sert à nous aux Alandengeni, parce que vous avez déjà aimé les soins, mais nous sommes tous les mais tout ce qui concerne les Atimini, si l'homme est en vraiment, merci. Na pesi ba na nzambe nyonso bazolanda biso ba congolais nyonso mbote na ba paya to nazo sepela mingi oti koloba wa ebele na biso nde ezo sala richesse to yembi Congo wetu muimpa, Congo mulenele. Nibulenga bwa Congo ewu, mbutomba mubuku abisamba yoyoyo. Donc to lobi Congo na biso eza kitoko, Congo na biso eza kitoko mingi, mais elengi nango eza na kati ya bikolo. Tellement bikolo ngo eza ibele, apparemment c'est comme si eza ka biso ne to ba bikolo ibele. Donc l'une des richesses ya Congo eza bikolo. Donc, les lots, les pays, les Congolais,
dimanche na triomphal. Donc tozoya ebele to memi bana to memi basi ba bazana wasi ebele to memi basi nyoso na. Pena bango. Oui, oui, oui. Bible le dit oyalingi azala apôtre diacre ancien rozana e mobali ya mwasi moko. C'est pour dire que pour aboyer azala apôtre ancien rozana bango ebele. Donc concert wana est occupé religion T. C'est ce que vous voulez dire. Parce que déjà côté c'est dans ce sens là, ça veut dire que tu es musulman. Il y a pas de discrimination.